m'appelle Luc Missal, je suis musicien et beaucoup d'autres choses. Et j'étais l'ancien directeur artistique de Metix et maintenant je gère encore des projets de Metix, entre autres celui-ci qu'on vient de faire à Kokopelli Festival. Bonjour, je suis Lut et je suis le conducteur du Harmonie Sainte-Cécilia de Gulligham. J'ai rencontré les gens de Kokopelli depuis plusieurs années. On se voit sur les foires de musique et tout ça. On a parlé qu'est-ce qu'on pourrait faire à Gulligham. Et puis en même temps, ils ont parlé avec l'Harmonie Sainte-Cécilia qui était intéressée pour faire quelque chose sur Kokopelli. Et puis, il y a des gens qui ont dit, ça vous dit quelque chose de travailler avec une harmonie? Je dis oui, oui, absolument. Je suis allé voir, j'étais fort impressionné, c'est une très bonne harmonie. Et je dis, bon, ça doit être bien possible, quoi. Donc j'ai proposé un projet à base du répertoire de remorque Carcaba. On a réarrangé un peu, on a parlé ensemble, on a fait tout un parcours d'introduction et tout ça, quelques styles, leçons de Carcaba. Et puis, on a commencé à répéter, quoi. Voilà. Et on a fait une générale avant-hier. Et depuis, je suis très content parce que c'est clair que ça allait aller bien, quoi. Au début, c'était un peu étrange pour nous parce que nous n'avons pas d'habitude de jouer sans papier. C'est toujours avec les notes et maintenant c'était un peu différent, mais après une répétition c'était clair et c'était très agréable. En ce qui concerne les rythmes Gnawa, évidemment au début c'est un peu étrange, surtout quand on joue le 6-8 qui n'a pas de temps sur le 1, ce qui est normalement la grosse caisse fait boum sur le 1 et les Gnawa elles font doum doum, boum boum, et chaque fois que tu n'entends rien c'est le premier temps. Donc il faut s'y mettre un peu. Mais comme on a découvert pendant la générale, quand il y a plusieurs krakeb, les castagnettes en métal, là, ça devient plus simple parce qu'ils tiennent le rythme, ils font tac de tac de tac de tac de tac. Et ça donne un bon support. Même chose pour les 4-4, parce que là, on a employé principalement pas un rythme tellement gnawa, mais plutôt rai, qui n'est pas non plus le boum, 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 mais doum, 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 doum. Dun, 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 dun. Donc voilà, là de nouveau, techniquement c'est 4 sur 3 pour les premiers temps. Et si tu dis ça à un musicien de l'harmonie, c'est simple, c'est 4 sur 3. Bon, c'est déjà fort difficile, quoi. Mais une fois que tu commences à avoir le sentiment du groove, ça va aussi, parce que finalement ça reste 4-4, quoi. Je m'appelle Alex Faustin-Keste et je suis le président de l'harmonie Sainte-Cécilia ici à Gulligham. On existe déjà plus de 120 ans. Au début, on était la musique des pompiers. D'abord, on était une fanfare, mais après le temps, on a changé. Maintenant, on est une harmonie. Dans les années 60, on était plus que 6 ou 7 musiciens et on a recommencé et on a retrouvé des nouveaux musiciens.
on essaie toujours à trouver des personnes jeunes, parce que les jeunes, c'est le futur de la musique. Pour les vieux, c'est aussi intéressant de venir. Pour beaucoup de personnes, c'est encore une partie très importante de leur vie. C'est un hobby qu'on peut jouer jusqu'à la fin de leur vie. Ce n'est pas dans notre zone de confort. C'est quelque chose qui est bizarre, mais très intéressant. La musique africaine, c'est très rythmique, c'est très agréable à jouer. Donc, pour moi, c'est une expérience qui est très agréable. Codron et je suis bénévole à Cocopelli. Je travaille depuis 11 ans sur le festival. Cette année-ci, j'étais un peu responsable sur tout ce qui était les animations du public. Si tu découvres un nouveau coin sur le terrain, qu'il y a toujours quelque chose à faire. Soit qu'il y a des réfugiés qui vous apprennent une nouvelle langue, soit qu'il y a des petits jeux pour les enfants ou des jeux où les adultes aussi peuvent s'amuser. Soit qu'il y a des percussions que vous pouvez découvrir, soit qu'il y a une coiffeuse qui est là pour vous coiffer et que vous pouvez trouver un copain ou une copine, comme ça. Dans le temps, on avait un festival de folk et après, je crois, 9 éditions, on voulait un peu changer parce que le folk, qui était un peu ancien, traditionnel, n'était pas si attirant pour les jeunes. Et donc, on a regardé ce qu'on pouvait faire et c'est de construire un nouveau concept. C'était dans le début pas de construire un festival, mais de regarder pour donner des gens un bon temps, pour qu'ils voient que des autres cultures, des autres gens, si tu viens d'un autre pays ou si tu es un peu sourd ou tu ne vois pas bien, pour nous ça est égal et on voulait montrer que tout le monde peut s'amuser ensemble. Et donc on a commencé à penser dans quelle forme on pouvait mettre ça. Et donc on a dit, bon, on va créer un festival où tous ces gens sont bienvenus. C'est pour ça aussi, cette année-ci, c'est la première fois que c'est gratuit. Si tu ne connais quelque chose pas vraiment, tu ne vas pas donner 20 euros chacun et les enfants pour entrer dans un festival. Nous, on commence normalement le 1er août pour organiser le festival qui est en mois de mai. Là, on commence avec une équipe de 10 ou 12 personnes qui gèrent un petit peu et qui voient quel groupe de travail est-ce qu'on a besoin pour travailler sur tout ce qui doit passer. Et alors, en mois de septembre, on commence avec les groupes de travail. Donc ça peut être logistique, communication, tout ce qui est animation, etc. Et après, on a en mois de mai le festival et là, il y en a 300 bénévoles en plus qui viennent travailler sur le festival. Et donc, c'est ça ce qui est chouette. Tout le monde le fait gratuit, donc c'est toute une équipe qui le fait bénévole, personne n'est payé. Donc c'est tous des gens qui sont convaincus de ce qu'on fait et qui s'aiment bien et qui sont un petit famille. On avait 3960 personnes qui sont entrées hier. C'est vraiment énorme et ça nous touche au cœur.